Bonjour, on va vous présenter notre sujet de PST qui porte sur la simulation du ballet d'une foule. Avez-vous déjà pris un instant pour observer en hauteur le mouvement de véhicules sur une autoroute? Ou bien avez-vous déjà observé le mouvement de personnes dans une rue très occupée? Il est remarquable à quel point ces déplacements de masse rappellent le flot d'un cours d'eau ou bien même le phénomène de murmuration. Et c'est exactement ça notre sujet de PST. En fait, sur cette photo, en fait, c'est nous en début d'année. On nous a demandé de faire un petit exercice où chacun de nous devait choisir deux autres personnes dans cette foule qui seraient nos personnes cibles. Et tout au long du temps, on devait se déplacer tout en restant à équidistance de ces deux personnes. On a commencé notre projet par faire une modélisation de ce problème par des équations mathématiques tout en suivant une logique et un raisonnement mathématique. Pour ensuite traduire le modèle mathématique en un programme informatique sur Python, en un code, et visualiser la simulation aussi sur Python d'une part, et d'une autre part, représenter notre projet, notre problème d'une manière artistique. Plusieurs consignes nous ont été imposées. Il faut que le mouvement de tous les individus se fait dans une enceinte carrée de côté A. La répartition des personnes se fait d'une manière aléatoire. Le déplacement de tous les individus de la foule doit être à la même vitesse V à chaque pas de temps delta T et il est nécessaire qu'il n'y ait pas de superposition des personnes. Nous allons commencer par la modélisation mathématique. Comme je l'ai dit précédemment, la vitesse V et le pas de temps delta T sont les mêmes pour tous les individus et de plus, c'est des paramètres constants dans le temps. Du coup, cela va définir une distance d par la formule d égale p delta t, qui est aussi constante dans le temps et qui est la même pour tous les individus. Mais comme la personne en question peut se déplacer d'une distance d pendant un pas de temps delta t, elle peut le faire dans toutes les directions possibles. Cela va générer un cercle de centre C et de rayon d. Dans ce projet, non, pardon, dans cette présentation, on va se focaliser sur trois personnes. La personne C, qui est la personne qui va étudier les positions, et ces deux personnes cibles, les personnes A et B. On a préalablement établi des équations mathématiques, qui sont les équations de droite et de cercle, qui sont l'équation de la droite AB, l'équation de la médiatrice M de AB, et le cercle C de centre C et de rayon D. Ces équations seront vraiment nécessaires dans notre raisonnement et dans notre code. Il y a deux cas qui se présentent dans notre modélisation mathématique. Le premier cas est le cas où il n'y a pas d'intersection entre la médiatrice M et le cercle de centre C et de diamètre et de rayon D, pardon. Dans ce cas, même après delta T, il n'y aura pas de point d'équidistance de C par rapport à A et B. Du coup, on va choisir pour ce cas le point le plus proche de cette équidistance, donc le point le plus proche de la médiatrice M. Du coup, C va se déplacer pendant delta T d'une distance D en restant parallèle, pardon, à A et B. Sur cette figure, on peut voir tout cela et cela permet de choisir ce point pour la suite. Le deuxième cas est le cas où il n'y a pas pardon, il y a une intersection entre la médiatrice M et le cercle C. Dans cette figure, on a deux points d'intersection. On va choisir dans notre raisonnement et dans le code le point le plus proche de A et B, donc le point le plus proche sur la médiatrice. Et il y a un troisième cas qui est un peu inclus dans ce cas. C'est le cas où on a un point de tangence entre la médiatrice M et le cercle C. Évidemment, on va choisir ce point comme point choisi. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, après delta T, la personne C sera exactement à équidistance des deux points cibles A et B. Il n'est pas à oublier le cas limite du plan. En fait, tous les individus de la foule doivent rester dans le cadre du plan. Donc, si la personne C a des coordonnées calculées qui sortent du cadre du plan, on devra recalculer la position de C, qui sera la position C choisie 2, étant le symétrique de C choisie 1 par rapport à la position actuelle C. En suivant cette méthode, on reste dans le même raisonnement, où C doit être à équidistance de A et B, et C va rester dans le cadre du plan, ce qui est vraiment nécessaire. Un autre cas, qui est un cas qu'on va utiliser tout au long du code, c'est que les personnes ne peuvent pas rentrer en collision. Du coup, cela va nous permettre de définir un rayon d'exclusion qui va être le même pour tous les individus de la foule. En fait, la personne sait si après delta T, elle devait se positionner dans
à une certaine position, qui est dans un rayon d'exclusion d'une autre personne de la foule, ou bien que deux rayons d'exclusion, qui est le rayon d'exclusion de C et de n'importe quel individu, se touchent, il faudra recalculer la position de C, et cela fait appel à un principe de récursion qu'on va implémenter dans notre code. Ici, cependant, nous ne rentrerons pas dans les détails de la programmation du code utilisé pour le calcul des positions des individus de la foule. Ceci dit, une fois le modèle mathématique présenté traduit dans le programme Python, il s'agira alors de visualiser cette boule virtuelle que nous simulons ainsi, dans un premier temps à l'aide du programme et ultimement de manière artistique. Dans le cadre du programme, nous avons alors décidé d'utiliser une visualisation relativement sommaire. En effet, dans les librairies Matplotlib disponibles sur Python, nous avons accès aux graphes dits scatter qui nous permettent de représenter sur un graphique les différentes positions des individus qui seront représentées par des points. Ces points auront les coordonnées calculées par le code des individus et sera mise à jour à chaque nouveau calcul des coordonnées et ce qui donnera à la fin un graphique animé. Pour cela, nous avons créé la méthode qui s'appelle updateScatter juste au-dessus, qui nous permet de, à chaque nouvel calcul des coordonnées, de mettre à jour le graphique et de l'animer. Juste en dessous, nous avons la partie qui nous permet de formater le graphique selon nos préférences. En effet, bien que la simulation soit sommaire et peu avancée, le graphique reste modifiable. On peut modifier le titre des axes et du graphique, ainsi que le format des points, ou encore la vitesse de l'animation à laquelle les individus vont se déplacer. Le meilleur moyen de visualiser ce dont nous sommes en train de parler est l'illustration. Donc, prenons un premier exemple. Nous avons modélisé une foule de 10 personnes dans une enceinte de 100 mètres de côté, ce qui correspond à des paramètres à l'échelle humaine qui représentent la situation dans laquelle nous avons été positionnés au début d'année. Avec moins de personnes, mais ça nous permet d'avoir une belle visualisation. Comme nous avons prévu, comme le modèle mathématique, pardon, le prévoyait, les individus se rapprochent de telle sorte à être à équidistance des cibles qu'ils ont choisies. Une fois que l'équilibre est atteint, comme nous allons le voir dans un instant, le programme s'arrête car les individus ont atteint une position d'équilibre. Cependant, lorsque plus de personnes sont dans la foule, comme ici dans une même enceinte mais avec 80 personnes, l'équilibre semble plus complexe à atteindre. En effet, comme le modèle mathématique encore une fois le prévoit, les individus se rapprochent globalement et la foule se compacte. Il est ainsi plus compliqué pour les individus de se mouvoir au sein de cette foule et nous voyons les individus osciller autour de positions en essayant de se frayer un chemin à travers cette foule-là. Cependant, à partir d'un certain nombre d'oscillations, à partir d'une certaine amplitude d'oscillation, on peut considérer que la foule a atteint un équilibre plus ou moins stable, puisque les individus font seulement des corrections au sein d'une foule compacte de ces positions d'équilibre. Ainsi, il va falloir revoir le programme et le modèle mathématique afin de limiter le compactage, le rapprochement global de cette foule qui empêche le mouvement général des individus. Ainsi, pour des foules de plus grande amplitude, il sera plus aisé de trouver une position d'équilibre stable comme nous l'avons pour des foules moins élevées, de moins grande amplitude. Maintenant que les résultats du code sont visualisables par le programme, nous passons à la représentation artistique de cette foule virtuelle. Ainsi, l'idée était d'utiliser des projecteurs pilotables, programmables à distance, pour suivre la trajectoire de deux individus de cette foule par une projection sur le sol de lumière. Nous avons alors pris contact avec la direction technique de la Rotonde pour emprunter ou pour utiliser des projecteurs pilotables par ordinateur, où nous pouvons modifier ce qu'on appelle le tilt et le pan, qui sont deux rotations autour de degrés de liberté, des axes des projecteurs. En pratique, il était un peu compliqué de suivre exactement la trajectoire de deux individus dans la foule. Cependant, ce qu'il était possible de faire, c'était de programmer les positions des valeurs de tilt et de pan, donc de rotation positive ou négative suivant les différents axes, pour les deux projecteurs qui nous ont été mis à disposition. Nous avions donc deux projecteurs situés à hauteur, d'orientation différente. Ainsi, donc pour une même valeur de tilt et de pan donné pour chacun de ces projecteurs, ces derniers ne pointeraient pas au même endroit. En effet, leur mouvement est antisymétrique vu qu'ils sont orientés de manière opposée. Alors, la démarche que nous avons utilisée pour la programmation de ces derniers est la suivante. Nous avons donc tracé, dans un premier temps, à l'aide de notre programme, les trajectoires d'un ensemble d'individus, ici 10 personnes dans une enceinte de 100 mètres. De ce programme, où nous isolons alors deux trajectoires d'individus que nous sommes intéressants, que nous avons retracées un peu plus clairement sur un autre graphique,
Et parmi ces trajectoires, chacune de ces trajectoires, pardon, sera importée dans le logiciel de programmation et de pilotage des projecteurs. Ainsi, nous avons créé 4 simulations de foule que nous considérions satisfaisantes. Les formes nous satisfaisaient. Nous avons alors ainsi choisi 2 trajectoires parmi ces formes que nous avons retracées sur un graphique. Et parmi les 8 trajectoires ainsi issues de ce programme, nous avons choisi 4 autres trajectoires que nous avons utilisées pour programmer les projecteurs. Les projecteurs ont donc été programmés par un schéma à chaque fois. Chaque projecteur jouait le même schéma, mais leur position antisymétrique nous permettait de visualiser un jeu de lumière intéressant que nous voyons ici. Ainsi, nous avons fait le choix d'un modèle mathématique qui se base sur des notions géométriques, donc entre l'intersection d'un cercle et de la médiatrice entre 2 points qui représentent les personnes d'une foule. Cependant, le choix de ce modèle mathématique nuit à la stabilité d'un système de grande ampleur, comme des foules de plusieurs, d'un grand nombre de personnes. Lorsque la foule se compacte, les personnes se gênent et le mouvement global de la foule est perturbé. Néanmoins, le fait que les individus convergent nous permet d'avoir une représentation artistique à l'aide des projecteurs de la rotonde que nous avons utilisés, qui nous permet de visualiser des jeux de lumière intéressants.